Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la une de ce jeudi. Le bleu, l'huile végétale, viande, bref, tous les produits de première nécessité seront vendus à un coût beaucoup plus bas pendant cette période de festivité de fin d'année. Le gouvernement congolais vient de décider de suspendre la TVA sur certains produits. Décision prise lors de la dernière réunion de la conjoncture économique présidée par le Premier ministre. Reportage à suivre dans ce journal. De travaux titanesques se font en Mbujimayi pour désenclaver cette partie du pays. Les engins roulants tournent 24 heures sur 24 dans plusieurs champs. À deux écoles, hôpitaux, universités sont en pleine réhabilitation. Le conseil spécial du chef de l'État est descendu sur les lieux pour faire le constat de l'évolution des travaux. Les images dans un instant. Et enfin, ces problèmes qui constituent une épine dans le pied du gouvernement provincial. Les églises croissent partout dans la ville de Kinshasa et ces problèmes qui vont avec. La ville veut trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Un projet dédié a été présenté, défendu hier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous suivrez son initiateur, Peter Kazadi, à la fin de ce journal. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise. Interdiction de l'esclavagisme et du traitement cruel, inhumain des travaux forcés, voilà autant d'innovations contenues dans le nouveau projet de loi relatif à la prévention de la traite de personnes. Ce projet de loi a été voté hier à la majorité absolue par les députés nationaux. Il est renvoyé à la Chambre haute pour une seconde lecture. Sylvie Mouimbou, Guy Kitoko et Bernard Baudre. Ce point était inscrit à l'ordre du jour de la plénière du mercredi 26 octobre 2022. Il s'agissait de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais sur la prévention et la protection contre la traite des personnes. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia-Poanga, a rappelé à la plénière que le débat sur ce projet de loi avait été suspendu et ce, après l'approbation des conclusions du rapport de la commission mixte politique, administrative, juridique, droits de l'homme, social et culturel. Au terme du délai accordé aux élus nationaux pour le dépôt des amendements de cette proposition de loi qui prescrit à l'État des obligations à remplir et des devoirs observés dans la protection de la personne humaine, les cabinets du rapporteur n'ont enregistré aucun amendement. Par conséquent, la plénière a procédé à l'examen et à l'adoption de 4 articles que contient ce texte de loi, y compris les exposés de motifs. Sur 293 députés nationaux présents dans la salle de congrès, 293 ont voté oui, aucun n'a voté non et aucune abstention. Le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal en matière de prévention et de la protection contre la traite des personnes est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Par ailleurs, le député national Adon Dombassi est intervenu par motion d'information sur l'utilisation des mineurs dans les mines par les sujets étrangers. Il a également fustigé le non-respect des contrats miniers dans leur volet social par certaines entreprises minières en RDC. À Manono, par exemple, dans la province du Tanganyika, où le lithium est exploité, la société AVZ a été pointée du doigt pour non-respect des clauses. Les travaux que cette entreprise devait réaliser sur le terrain, notamment la construction des routes, d'un barrage électrique ainsi que d'un camp d'habitation, n'ont été qu'une illusion. Un autre projet de loi adopté par le Maïr, c'était le projet de loi Baatilukwebo sur l'agriculture. Cette fois-ci, adopté par les sénateurs, ces derniers ont aussi entendu le ministre de l'Entrepreneuriat sur l'opérationnalisation du Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC. Sandra Nyangitabou, Guilor Kimpianga et Denis Kunki pour le reportage. La session ordinaire de septembre soit essentiellement budgétaire, le Sénat intensifie le contrôle parlementaire. Ce mercredi 26 octobre 2022, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Eustache Mourandi, était invité à la Chambre haute du Parlement pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Victorine Louessé sur l'opérationnalisation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. FOGEC en sigle. Le FOGEC est un établissement public qui a entre autres pour mission de modéliser et collecter les ressources financières au niveau national et international, l'accès de start-up, micro, petites et moyennes entreprises et artisanat congolais au financement de leurs projets par les banques commerciales et institutions de microfinance. Depuis la mise en place du conseil d'administration, toutes les démarches effectuées auprès de vous pour développer ces fonds
afin que la promesse du président de la République et le corps se sont avérés vains. Les cheveux unis, voudriez-vous que ce fonds soit un mort-né ou l'être mort? Votre magie, qu'avez-vous fait depuis mai 2021 pour que ce fonds promesse du chef de l'État devienne effectif et rende espoir aux Congolais? C'est à toutes ces questions que Eustache Mourandi viendra répondre dans les tout prochains jours. Il faut noter que les sénateurs ont également voté la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture après approbation du rapport de la commission mixte développement durable, ressources naturelles et tourisme et entités territoriales décentralisées. La proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture est une initiative du président du Sénat, Modeste Baati Lukwebo. Le texte ainsi voté sera envoyé à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture, comme le stipule l'article 135 du règlement intérieur du Sénat. Je le disais à l'ouverture de ces journaux, le gouvernement congolais rassure d'ici la fin de l'année la baisse des prix des biens de première nécessité sur toute l'étendue du pays. C'est là après la suspension de la TVA sur certains produits, décision prise au terme de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Cette réunion a aussi constaté une tendance haussière de réserve d'échange. Patti Tondwango, Marcel Mobinga, Bienvenue Lusala et Julien Piana étaient sur place. Signé dernièrement par les premiers ministres, les décrets portant suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité doivent avoir des effets directs sur la baisse des prix de ces produits. À la réunion des conjonctures économiques qu'a présidé le chef du gouvernement ce mercredi 26 octobre 2022, les instructions nettes et précises ont été données par Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour qu'un contrôle soit mis en œuvre à ces sujets. Il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mise en œuvre pour que les prix des produits de première nécessité en subissent donc les effets d'ici la fin de l'année, que les prix soient maintenus à un niveau bas. La réunion de conjoncture économique a également constaté une très bonne tenue des finances publiques. Le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour un dollar à l'officiel et 2087 au parallèle. Nous avons également constaté que les réserves d'échange restent autour de 3,9 milliards, donc une tendance haussière. Outre la situation des stocks de carburant qui est rassurant, il a été constaté une hausse de la masse salariale en ce quatrième trimestre avec l'intégration des 4 600 fonctionnaires dans la paye. Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins 2 mois et demi de stock et nous avons pris des mesures pour que la situation ne se reproduise plus. La situation de la retraite a été préparée. Elle doit être mise en œuvre sous l'égide du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conclu le ministre d'État au plan, Christian Mwando. Des travaux titanesques se font en Mbuji-Mayi pour désenclaver cette partie du pays. Les agents roulants tournent 24 heures sur 24 dans plusieurs chantiers. Deux écoles, hôpitaux et universités sont en pleine réhabilitation. Le conseil spécial du chef de l'État en charge du progrès social est descendu sur les lieux pour faire les constats de l'évolution des travaux. Pierre Kibambe Soumouissant. Des grands travaux d'infrastructures de base de grande envergure s'exécutent en province dans le cadre du programme de développement de la RDC, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbuji-Mayi au Kasaï oriental voit ses principales artères modernisées, le cas notamment de l'avenue Lumumba, jadis en dégradation très avancée, qui vient de connaître de grands travaux de rénovation à la grande satisfaction des usagers de cette route reliant plusieurs communes, notamment celles de Mouya et de Djoulou. Dans le domaine de l'éducation, l'université officielle de Mbuji-Mayi sera dotée des nouveaux bâtiments qui sortent du sol. Les travaux exécutés par l'entreprise SRP Construction consistent en la construction des auditoires et des hommes des étudiants de l'UM qui vit la situation des locataires depuis des lustres. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge du progrès social, Olivier Mondongue, a visité le chantier. Il a échangé avec les responsables de l'entreprise sur les voies et moyens de réaliser les travaux dans les délais requis. Éducation nationale toujours parmi les écoles réhabilitées
et moderniser en Mbujimayi, dont on épingle notamment le complexe scolaire Kalenda Mudichi, qui a été astreint à des travaux de rénovation en profondeur, des travaux qui sont à 85% d'exécution. Dans les secteurs de la santé, les travaux de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Cancellé s'accélèrent avec la construction de plusieurs bâtiments, indique le ministre provincial des infrastructures Edgar Moussena. Ce grand chantier derrière, c'est la rénovation de l'hôpital de Cancellé. Le Dirkaba est venu s'enquérir pendant son séjour ici, dans le cadre des événements du Forum Makutano. Il a profité pour voir à quel niveau sont les travaux. Nous pensons que dans un délai très proche, l'hôpital peut être opérationnel. Dans des installations de fortune depuis des années, l'hôpital général de Mouya est aujourd'hui une formation médicale moderne qui fera la fierté des générations dans la ville de Mbujimayi au terme de grands travaux. Premièrement, c'était un terrain comme ça y est là, mais il s'est retrouvé qu'un seul bâtiment. Et c'est le seul bâtiment qui est là. Et ce seul bâtiment-là, il y avait tous les services. Il y avait la maternité, la pédiatrie, les bureaux des médecins, tout était inclus, même les salles d'hospitalisation des malades. Donc, partant de ça, nous avons eu à construire pendant déjà une année ce que vous voyez en image, où nous avons les blocs, les bâtiments blocs opératoires, le bâtiment obstétrique et maternité, le bâtiment des consultations et administration, les bâtiments hospitalisation, chirurgie, hommes et femmes, et les bâtiments hospitalisation, médecine interne pour les hommes et pour les femmes. De l'eau potable pour tous, en Mbujimayi, un système d'approvisionnement en eau potable est implanté avec la construction des trois châteaux d'eau de 1420 mètres cubes chacun. Deux de ces grandes unités seront opérationnelles d'ici fin 2022 en cours et le troisième château d'eau va aussi desservir la population en eau potable en mai 2023. Le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales se matérialise en province avec la réalisation de grands projets d'intérêt communautaire. Le plan opérationnel provincial Sud Kivu du programme PDD-RCS en plein chantier. Ce plan annuel permettra de mettre fin aux conflits et restaurer la cohésion sociale. Les participants de 8 territoires de cette province sont à Bukavu pour réfléchir sur le contenu de ces documents qui servira de guide pour rétablir la paix. Suivez. Nous suffirons aux participants venus des 8 territoires du Sud Kivu pour élaborer le plan opérationnel provincial du programme PDD-RCS qui sera axé sur 5 piliers de la stratégie nationale avant le démarrage de la mise en œuvre effective du programme. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a rendu des hommages mérités au président de la République, Félix Tshisekedi, initiateur de ce programme pour ses inlassables efforts à restaurer une paix durable à l'est du pays en général et au Sud Kivu en particulier. Les assises de ce jour sont donc une suite logique des travaux du mois d'avril et dont l'un des objectifs était l'identification des grandes lignes du plan opérationnel provincial. Cet outil de planification annuelle permettra de matérialiser le plan stratégique national et répondre aux besoins des zones cibles en apportant des réponses à la résolution des conflits et cohésion sociale. Une fois validé, ce document servira de guide et d'orientation de toutes les actions pouvant faciliter la mise en œuvre effective du programme au niveau de toutes les entités. Ce plan opérationnel provincial portera sur les activités concrètes à exécuter dans nos territoires en vue d'apporter la solution aux problèmes de paix et de cohésion sociale. Ce programme vise à contribuer à la consolidation de la paix, la réconciliation nationale et la construction socio-économique du pays. Le plan qui sera validé se focalisera sur l'engagement communautaire et renforcera la résilience des communautés pour que les bénéficiaires soient de véritables acteurs de paix. De nouvelles figures à la tête du corps de santé militaire des FARDC, nommées récemment par le président de la République, la nouvelle équipe dirigée par le général-major Jean-Claude Singa a pris possession de son fauteuil. Suivez. Major Singa, je vous remets cet étendard, symbole de commandement.
Les sous-chefs d'état-major en charge de l'administration, le général-major Kissézo Thomas, a au nom du chef d'état-major général présidé une cérémonie de passation des commandements à l'état-major corps de santé militaire entre le général-major Tsinga Bongenia Jean-Claude, commandant entrant, et la général-major Ngomo Weninda Monique, commandant sortant. C'est mardi 20 octobre 2022. La salle de réunion de l'état-major a servi de cadre à cette cérémonie. Pour sa part, le général-major Kissézo Thomas a consigné dans le livre d'or félicitant tous les officiers généraux qui ont été renouvellement promis et ont reçu de nouvelles responsabilités. Il a ensuite passé les fagnons de commandement au nouveau commandant du corps de santé militaire. Je vous remets cet étendard, symbole de commandement du corps de service de santé militaire, au nom du chef d'état-major général. L'étendard que vous défendrez avec loyauté, dévouement, jusqu'au sacrifice suprême. Allons-y, mon général. Une autre cérémonie de remise-reprise a eu lieu à la régie des eaux entre le comité dirigeant sortant et entrant. La nouvelle équipe, dirigée par Jean Bosco Mouaka, promet de tout mettre en œuvre pour améliorer la desserte en eau potable dans le pays. Serge Merlin-Mata. C'est sur instruction de la ministre d'État, ministre du Portefeuille, que s'est tenue la cérémonie de remise-reprise entre les comités sortants et entrants. C'est là, sous la supervision du vice-président intérimaire du Conseil supérieur du Portefeuille, Stéphane Kakonde. Après la séance de remise-reprise, ingénieur Jean Bosco Mouaka Indélé, député général intérimaire entrant, représentant le député général entrant empêché, David Chilumba Mutumbu, a tout d'abord remercié les chefs de l'État pour la confiance placée en sa modeste personne. Il a en outre salué les travaux abattus par les comités sortants, également fils maison. Ingénieur Jean Bosco Mouaka Indélé a à cet effet expliqué les grands axes de la nouvelle équipe dirigeante de la régie des OSA. L'ED général intérimaire sortant, Jonas Takusala Biakou, a présenté ses civilités et sincères félicitations à son successeur et l'a encouragé. Même tonalité du côté du syndicat national des travailleurs de ces sociétés nationales, productrices d'eau potable en République démocratique du Congo. Son président national, Fede Kavouba Moussey, a rassuré les nouveaux responsables de leur soutien et franche collaboration pour un climat social apaisé au sein de la régie des OSA. Les représentants des ministres des ressources hydrauliques et électricité a quant à lui prodigué aux uns aux autres des conseils judicieux. La cérémonie officielle d'installation du comité de gestion de la régie des OSA s'est terminée par la visite du nouveau bureau du directeur général intérimaire entrant, ingénieur Jean Bosco Mouaka Indélé. Cancer du sein, quels sont les symptômes, que faire pour l'éviter, comment se faire soigner une fois atteint? Des questions abordées au terme d'un atelier organisé à l'intention du personnel féminin de la centrale électorale Teti Samba et Jéresto Funche pour le détail. C'est une activité organisée à l'occasion du mois d'octobre rose à l'intention de la junte féminine. Les agents et cadres de la Commission électorale nationale indépendante ont été sensibilisés ce mercredi 26 octobre 2022 aux facteurs de risque et des mesures de prévention du cancer du sein. C'est le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara Linga, qui a ouvert cette journée à Roméo Golf de la commune de la Gombe. La centrale électorale se prépare à organiser les élections générales dans le délai constitutionnel. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer ouverte cette journée mémorable de lutte contre le cancer du sein. Plusieurs membres du bureau de la CENI et d'autres invités ont été suffisamment édifiés par les médecins spécialistes. Une initiative du secrétariat exécutif national saluée par le questeur adjoint Mme Sylvie Birimbani. Cette journée de sensibilisation sera plus pédagogique pour nous pousser à la prise de conscience collective afin de prendre au sérieux et lutter efficacement contre ce fléau qui est en train de décimer
le monde entier. Pour sa part, Madame Joséphine Ngalula, membre de la plénière, a édifié l'assistance en se penchant sur la dimension genrée de ce type de cancer. De son côté, le secrétaire exécutif national Totomabik Totokani a précisé que la CENI, à travers cette journée de sensibilisation, veut apporter aux femmes la bonne information sur la prévention de cette maladie. Signalant que cette journée a été marquée par des exposés des médecins spécialistes du centre hospitalier Nganda, avec le jeu de questions-réponses entre les participants et les intervenants. On avance à petits pas vers la tenue effective du 9e jour de la francophonie. Le gouvernement congolais est à la recherche des volontaires qui seront déployés sur le site. Décision prise au terme de la clôture d'un atelier organisé à Kinshasa. William Tounakov était sur place. C'est dans le cadre du préparatif des 9e jeux de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa que la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, CONFEJES, en collaboration avec le comité national de jeux de la francophonie, organise pendant 3 jours un atelier de formation sur les enjeux et modalités de recrutement, déploiement et gestion des bénévoles. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Jeunesse, c'est lundi 24 octobre 2022 à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa-Gombe. Je formule donc le vœu de voir ces travaux couronnés de succès et je reste convaincu que les apprenants assimileront bien les matières qui nous permettront de mieux diffuser celles-ci auprès des autres Congolais. Je déclare ouvert les 3 ateliers en prévision du 9e G de la francophonie. Auparavant, Isidore Kwanjangembo, directeur national de jeux de la francophonie, avait dans son mot de bienvenue souligné l'importance de cette formation de renforcement des capacités. Les activités que vous êtes en train de faire maintenant vont contribuer de près ou de loin à la bonne organisation du 9e G de la francophonie. Nous apprécions l'accompagnement de la CONFEJES dans l'organisation de cet événement. Nous sommes à la première expérience de l'organisation d'un événement international de cette envergure. Et donc, nous avons besoin de l'accompagnement de tous ceux qui peuvent apporter un plus pour le succès de cet événement. Autre temps fort, la remise des prix aux lauréats dans les domaines de l'entrepreneuriat de jeunes Congolais. La ville de Kinshasa a la quête de solutions pour mettre fin au désordre qui règne au sein de 2 églises. Un projet dédié a été présenté, défendu hier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par Peter Kazadi, son initiateur, Alain Bikay. Dans les tout prochains jours, la liberté d'exercer le culte religieux à Kinshasa sera réglementée. Un édit sur l'encadrement de l'exercice de cette liberté religieuse a été présenté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par le député provincial Peter Kazadi. Pour cet élu de la commune de Lemba, ce secteur doit être assaini pour protéger notre société contre certains dérapages constatés ces derniers temps dans la capitale. Si donc nous avons pensé à encadrer, c'est parce qu'on a constaté des abus et que les abus conduisent à des situations parfois dramatiques où tout le monde s'improvise pasteur ou chef de culte. L'objectif n'est pas de fermer des églises, mais d'encadrer l'exercice. Aujourd'hui, par exemple, les gens se plaignent des nuisances sonores que certaines églises sont en train de propager à longueur des journées comme à longueur des nuits. Les églises vont rester, mais seulement il y a un régime d'encadrement qui va leur être appliqué pour que personne ne puisse nuire à la liberté de l'autre. À l'unanimité, au regard de la pertinence du sujet, la plénière a sollicité un délai pour s'imprégner de cette proposition dédiée pour l'enrichir. Pasteur de son état, Godin Pouy a suggéré à l'Assemblée plénière de faire la sensibilisation de cet édit, les cas échéants, associer le pasteur et les chefs de culte pour éviter tout malentendu. La Ligue de femmes de l'AFDC à section Okatanga a des nouvelles animatrices. Elles ont été présentées à la base au cours d'une matinée politique. Ces femmes disent aussi tout mettre en œuvre pour la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi. Iverson Kaboba. Ils sont plus de 500 femmes, toutes membres de l'Union sacrée de la nation, réunies au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo avec un objectif commun,
mettre tout en œuvre pour la réélection du chef de l'État pour un second mandat à l'issue des échéances de 2023, ce qui va lui permettre de parachever son programme assis sur la consolidation de la paix et l'amélioration du social. C'était avant de procéder à l'installation de nouveaux animateurs de cette formation politique. En réaction, Henri-Paul Egwabi, nouveau responsable des cellules d'INSEEKA, a eu des mots justes pour remercier la hiérarchie du parti pour le choix porté. Autre effort de cette activité, c'est la remise des vivres et non-vivres aux personnes vulnérables et autres vivant avec handicap. Le seul grand message que nous apportons à la population, c'est que Fatih travaille sérieusement, Fatih réalise sa vision du peuple d'abord. C'est à ce peuple que nous parlons, des Fatih Béton, en déclarant les indicateurs objectivement vérifiables que le peuple doit connaître. Ce peuple que vous venez de voir ne se trouve pas sur les réseaux sociaux pour crier à la longueur des journées « Fatih Béton, Fatih Béton ». Non. Nous, nous descendons sur le terrain, nous travaillons avec la population pour lui dire que Fatih est au boulot. Et Fatih travaille pour le bien-être de la population congolaise. Pour lier l'utile à l'agréable, cette journée s'est clôturée dans une ambiance fraternelle. Situé à environ 300 km de la ville de Bouta, Poko, chef-lieu du territoire portant le même nom, a accueilli le gouverneur de la province du Bas-Zouélé. Jean-Robert Nzanza est arrivé tard dans la nuit de lundi dans le cadre de sa tournée politique dans cette partie du pays. Suivez. Aux environs de 21h, heure locale, qui est le gouverneur de la province Tibazuele, le professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti, à la tête d'une forte délégation, composée notamment du vice-président de l'Assemblée provinciale, de quelques membres du gouvernement provincial, fait son entrée dans la cité de Poko, chef-lieu du territoire portant le même nom. C'est une foule des habitants de Poko en liesse qui est là, hommes et femmes, jeunes et vieux. Personne n'a voulu rater l'occasion pour accueillir les représentants du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo, de la province Tibazuele, qui foule pour la première fois les sols de Poko depuis sa prise de fonction après son élection par les députés provinciaux. S'adressa aux habitants au cours d'un meeting populaire le lendemain de son arrivée, l'autorité provinciale résume son message en ces mots. C'est bien d'avoir un ingénieur agronome comme le gouverneur. Les ingénieurs agronomes ne parlent pas beaucoup, ce sont les hommes d'action. Les agronomes se caractérisent par le travail. Prochainement, quand je reviendrai, je vais voir tout le monde avec son champ. Je suis content des travaux du cantonnage manuel que vous faites. Je vous encourage de continuer ainsi. Cette mission d'itinérance et d'inspection administrative permet au chef de l'exécutif provincial du Bas-Zouélé de palper des doigts le vécu quotidien de ses administrés. Les rues du territoire des Mueka dans le Kasaï ont de nouveau grondé. La population était descendue dans les rues à travers une marche pour soutenir les actions du chef de l'État. Parmi ces actions, la construction prochaine d'un aérodrome moderne, Redépanda. Annonce du projet de construction d'un aérodrome dans la ville de Mueka, province du Kasaï, qui galvanise la joie de toute une population à travers une marche. Sous la direction de l'administrateur du territoire de Mueka, l'ensemble des forces vives, composées des hommes, femmes, jeunes, l'association des mamans Bolingo, l'association des amis de Martin Ikokt Ikokt, le Zanamongo vivant à Mueka, étaient sur les grandes artères de tous les quatre coins de la ville, scandant des chants. Expression qui confirme le soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République, commandant suprême des forces armées. Madame Denise Matshingi Mamba, administrateur du territoire de Mueka, a saisi l'occasion pour exhorter ses administrés à l'unité, la cohabitation pacifique, pour privilégier le développement de leur entité tout en bannissant les antivaleurs. Les présidents de jeunes de Mueka réunis au sein de l'association Les Amis de Martin Ikokt Ikokt a fait un focus sur les quelques réalisations de celui qu'ils ont surnommé l'avocat de Mueka, Martin Ikokt Ikokt, qui n'a cessé de plaider auprès des autorités du pays pour la construction de cet aérodrome. Cette marche est donc une démonstration de force à la face du monde, combien la population de Mueka porte Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans leur cœur pour son amour pour les Congos, sans oublier leur leader, Martin Ikokt Ikokt, élu de Mueka.
une voix de plus pour soutenir la tenue du concert populaire de l'artiste Fally Ipupa au Stade de Martyrs le samedi 29 octobre prochain. C'est celle de l'Asbel Abanakin. Cet Asbel procède aussi à partir d'aujourd'hui à la distribution des 10 000 billets d'entrée aux Quinois pour participer à ces grands rendez-vous culturels. Suivez. Ce samedi 29 octobre 2022, Fally Ipupa livre un grand concert populaire au Stade de Martyrs de Kinshasa. Pour donner un relief particulier à ces grands rendez-vous, le staff de l'organisation de cet événement, conduit par Zachary Bababassué, est venu solliciter le soutien des Quinois à travers l'Asbel Banakin, association qui défend les intérêts des Quinois. Pour sa part, le vice-président de Banakin, Pilipi Litoleo, y a répondu favorablement au nom du président de cette Asbel, Godard Motemona, et a rassuré du soutien tout azimut des Quinois au digne représentant de la rumba congolaise, l'artiste quinois Fally Ipupa. A cet effet, l'Asbel Banakin offre 10 000 billets d'entrée aux Quinois pour participer à cette grande fête de la musique. Nous sommes ici aujourd'hui parce que c'est Kinshasa. Ensuite, c'est la rumba. La rumba, on a dit ici c'est le berceau, mais en même temps, aujourd'hui, la rumba, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine de l'humanité. Pour nous, Quinois, nous sommes fiers d'avoir créé une richesse. Et Fally, c'est un Quinois, nous sommes Quinois et nous allons soutenir tout ce qui est Quinois. Nous allons nous impliquer. L'Asbel Banakin invite les Quinoises et Quinois désirant prendre part à ce concert à bien vouloir passer le jeudi 27 octobre 2022 à partir des 16h à son siège situé sur l'avenue Boera numéro 13 à Matongé pour s'y procurer gratuitement de ce billet. Et c'est par cette note culturelle que nous bouclons complètement ce journal. Journal réalisé et par Patti Kouedi, Merveille Mukomo, Dieu merci Kanza et Mustapha Obio. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 16h Marie-France Zaïna pour les actualités africaines. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.